Cultura vous présente Encore une histoire, le podcast qui fait aimer les histoires aux petits et aux grands enfants. Bonjour les enfants, mes chers compatriotes. Bon, je sais, ça va pas être évident cette période de confinement. Ça va pas être facile pour vous les enfants, parce qu'il faut rester à la maison, qu'on n'a pas forcément le droit de sortir, qu'il ne faut pas faire de bruit quand les parents font du télétravail, qu'il faut s'occuper. Surtout ne pas s'ennuyer, et puis qu'il faut aussi faire ses devoirs. Bref, on va devoir faire avec, on va devoir s'habituer. Pendant quelques semaines, peut-être quelques mois. Avec Encore une histoire, on va essayer de vous fournir le plus d'histoires possible, pour vous faire rêver, pour vous occuper, pour vous laisser imaginer. Et bientôt même, on lancera un concours, tu pourras écrire ta propre histoire, et nous, on la fera en podcast. En attendant, si tu ne le connais pas encore, voici le retour de Tommy le mouton. À mon avis, tu vas bien rigoler. Voici l'histoire de Tommy et la mouche, écrite et réalisée par Alexandre Ferreira. La montagne autour de la maison du petit mouton était florissante en ce printemps. Et Tommy était de très bonne humeur. Il cueillait des Edelweiss pour en faire un bouquet. Et il chantait quand il remarqua derrière un gros caillou l'Edelweiss le plus gigantesque qu'il ait jamais vu. Mais une mouche tournait autour de la fleur et de Tommy. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je me suis lavé ce matin. Laisse-moi tranquille. Puis, la mouche tourna autour de la tête de Tommy, qui s'agita dans tous les sens. Il laissa tomber son bouquet. La mouche prit une fleur et se mit à voler très vite et très loin. Ma fleur! Renvoie la fleur! Reviens ici tout de suite, cette petite mouche! Renvoie ma fleur! Tommy courut. Il suivait la mouche à la trace. Elle allait de plus en plus vite. Et lui aussi. Tommy ne faisait pas attention à la route. Il fixait sa fleur qui volait. Arrête-toi, mouche! C'est la fleur pour ma maman! Déjà, la mouche fatiguait. Mais elle était presque arrivée chez elle. Elle monta avec l'Edelweiss tout en haut d'un grand immeuble et la posa devant sa maman mouche ravie. Elle aussi voulait faire plaisir à sa maman. Pendant ce temps, Tommy désespérait. La mouche! Mais comment je fais pour récupérer ma fleur, moi? Je suis où? Je suis complètement perdue! Oh non! Oh, je suis perdu, là Quoi? Quoi, la bouche? Tu veux me montrer le chemin? Mais ma fleur! Pour ma maman! Oh, je te suis, la bouche! T'es vraiment sympa comme bouche! La mouche et Tommy repartirent tous les deux chercher des Edelweiss dans la montagne. La mouche allait tellement vite pour les repérer que Tommy revint chez lui en un clin d'œil, avec le plus grand bouquet que maman mouton ait jamais vu. Franchement, même ton père m'a jamais offert un si beau bouquet. Merci mon chéri, merci mon Tommy. Mais arrête quand même de chanter, parce que là j'en ai vraiment ras-le-bol. De rien maman, Tommy et la mouche, histoire écrite et réalisée par Alexandre Ferreira. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Kalman. J'en peux vraiment plus de ce confinement!
Alors maintenant, Tommy, on va chanter la chanson Petit Escargot. Tu es prêt? Oui. Petit escargot porte sur son dos sa maison d'être. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Très bien, Tommy, mais essaye de chanter un petit peu plus juste quand même. Ok, maman. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut. Tommy. Ok. On va reprendre juste la première phrase. D'accord, maman. Petit escargot. Bon, reprends tout, Tommy. D'accord, maman. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Ok, Tommy, arrête, c'est bon. J'en peux plus de ce confinement. On est au jour combien déjà? Jour 9? Jour 10? Jour 11? J'en peux plus!